Bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon sur l'addition. Pour certains, le mot est déjà connu et pour d'autres, cette leçon va être l'occasion de le découvrir. Pour bien comprendre ce qu'est une addition, je vais vous demander d'imaginer cet exemple. Donc vous avez deux pêches, voilà la première et voilà la deuxième. Ces deux pêches sont dans un sac. Donc le sac, je le dessine en vert. Voilà. Maintenant, nous rajoutons trois pêches dans ce sac. Une, deux et trois. Donc ce sont toutes des pêches. Les deux premières sont rouges et les trois autres sont bleues, ce qui n'est pas la couleur habituelle des pêches, mais c'est pour distinguer les groupes. Il y a un groupe de deux et un groupe de trois. Donc je vous pose la question, combien y a-t-il de pêches dans ce sac? Pour répondre, on va les compter. Donc il y en a une, deux, trois, quatre et cinq. Donc en tout dans le sac, il y a 5 pêches. Donc je l'écris, voilà, 5 pêches. Eh bien, sans le savoir, vous venez de réaliser votre première addition. Pourquoi? Parce que vous venez d'écrire et de compter que 2 pêches plus 3 pêches donnaient 5 pêches. Donc les deux premières pêches auxquelles on a rajouté 3 pêches, on les a comptées et on a bien compté que cela en faisait 5. Donc 2 pêches plus 3 pêches donnent 5 pêches. Donc je vous refais un exemple, un petit peu plus compliqué. Donc cette fois-ci, vous avez 5 pêches. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces 5 pêches sont toujours dans un sac. Voilà. Et le marchand vous en donne une offerte parce que vous venez régulièrement. Donc là encore, je vous pose la question, du coup, combien y a-t-il de pêches dans votre sac? Eh bien, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc il y a six pêches dans le sac. Six pêches. Là encore, on peut traduire mathématiquement ce que l'on vient de faire. On peut dire que 5 pêches plus une pêche donne 6 pêches. Alors maintenant, cette méthode de dessiner des pêches, de dessiner un sac, est un petit peu longue. C'est-à-dire que si je vous demande d'additionner, par exemple, 12 et 23, il faudrait que vous dessiniez 12 pêches. Ensuite que vous en dessiniez 23 et que vous comptiez combien il y a de pêches en tout. Donc c'est très fastidieux, très long, trop long. Donc maintenant je vais vous montrer une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour faire des petites additions. Alors pour cette méthode, on a besoin d'un axe. Voilà. Un axe orienté vers la droite sur lequel on place les nombres par ordre croissant. Donc 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Hein, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je m'arrête là, je n'ai plus de place. Donc nous allons reprendre un exemple que nous avons déjà vu. On a déjà vu que 2 plus 3 font 5. Ça, on en est certain, on l'a déjà vu avec l'exemple des pêches. Maintenant, on va essayer de retrouver le résultat avec la méthode de l'axe. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord placer le 2 sur l'axe. Voilà. Ensuite, le 3, cela va vouloir dire qu'on va faire 3 sauts en partant du 2. Un saut, deux sauts et trois sauts. Et on atterrit sur le 5. Le 5. Et alors notre résultat. Voilà. Donc ça c'est pour la méthode. Donc maintenant on va refaire un exemple plus compliqué. Je vais par exemple vous demander d'additionner 7 plus 5 et me dire combien cela fait. On va réutiliser la méthode avec l'axe. Donc on dessine l'axe, on place les chiffres, les nombres. 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Là encore, j'ai plus de place, je m'arrête. Donc on applique la méthode. Je commence par le 7 et je le place. Donc il est là. Et ensuite, je vais additionner le nombre 5. Ça va vouloir dire que je vais devoir faire 5 sauts. 1, 2, 3, 4 et 5. J'atterris sur le nombre 12. Eh bien, ce sera notre résultat. Donc, je peux effacer le petit point d'interrogation. On connaît le résultat, c'est 12. Voilà. Donc, comme ce calcul est terminé, je peux le souligner. C'est un joli résultat. 7 plus 5 est égal à 12. Alors, on peut remarquer que toute cette partie-là, entre 0 et 7, n'a pas été utilisée. On aurait très bien pu commencer l'axe directement par le premier nombre, par le 7. J'aurais pu commencer de dessiner l'axe par le 7 et ensuite placer les nombres par ordre croissant, 7, 8, 9, 10, etc. J'aurais très bien pu, voilà, j'efface les premiers jusqu'au 7, j'aurais très bien pu commencer directement l'axe par le 7. Cela nous permet parfois de gagner de la place. Regardez, si je vous demande d'additionner par exemple 23 et 5, combien font 23 plus 5? Si vous dessinez un axe, si vous dessinez un axe et que vous commencez par 0, eh bien 23 va se retrouver certainement en dehors de l'axe. Alors que si vous commencez par le 23, eh bien évidemment, il est sur l'axe. Donc c'est ce qu'on fait. On commence par le premier nombre. Donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je vais m'arrêter là. Donc je place le premier nombre, 23. Voilà, il est placé. Ensuite, je veux additionner 5. Donc je vais faire 5 sauts. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'arrive sur le nombre 28. Eh bien, ce sera notre résultat. Donc je peux effacer le point d'interrogation et écrire 28. Là encore, c'est un joli résultat. Je peux le souligner. 23 plus 5 est égal à 28. Donc nous avons vu dans cette leçon comment additionner des petits nombres les uns aux autres, c'est-à-dire des nombres de quelques dizaines. Mais si par exemple nous souhaitons additionner 2000 avec 3074, là évidemment ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il va falloir faire 3074 sauts. Donc il faudrait un axe de 5 km. Et évidemment, ce n'est pas réalisable. Donc dans la prochaine vidéo sur l'addition, nous allons voir comment réaliser l'addition de grands nombres. Merci et à bientôt!